Mesdames et messieurs, le plaisir est renouvelé pour le point d'actualité de ce 28 décembre 2020. Une présentation en duo et bilingue avec Sherif Mohamed Ahmad. Salam alaikum, Sherif. Wa alaikum salam, Adam. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est à Ouagadougou depuis ce matin. Il assiste ce 28 décembre 2020 à la cérémonie d'investiture du président réélu du Faso, Roch Marc-Christian Kabore. Il est accueilli au bas de la passerelle et dans le respect des gestes barrières par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Il avait à ses côtés le conseiller culturel à l'ambassade du Tchad au Burkina Faso, Ahmad Absakine Yerima, représentant l'ambassadeur. Remise des bouquets de fleurs, échange de quelques amabilités. Le maréchal du Tchad salue d'un geste de la main le personnel de la représentation diplomatique du Tchad au pays des hommes intègres avant de communier avec la colonie tchadienne. À quelques heures de l'inauguration du nouveau siège de l'ONAMA par le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sherif Mohamed Zen, est venu visiter les lieux. Il est venu s'assurer des dispositions prises pour que la cérémonie d'inauguration prévue demain, 29 décembre, soit une réussite. Ayant reçu des détails de la part du directeur général de l'ONAMA, Dr Mohamed Borgo Hassan et ses collaborateurs, le ministre quitte les lieux satisfait et se félicite du début. Défi relevé grâce à la concrétisation de ce projet. La directrice générale du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance d'Angar à l'AICM, Martine Yankal, a présidé ce matin au centre social numéro 1 de la ville de N'Djamena la cérémonie de réception des quelques kits de protection contre la COVID-19, ce don du programme alimentaire mondial à travers le gouvernement tchadien et surtout à travers le projet AFOR pour objectif d'accompagner le gouvernement tchadien dans la lutte contre la malnutrition et la pandémie de la COVID-19. Au total, 23 kits sanitaires sont distribués aux centres sociaux, dont 9 pour la ville de N'Djamena. Autant pour nous, dans le cadre de la suspension du service de la dette, un accord a été signé ce matin entre le ministre des Finances et du Budget, Hamid Tahir Nguilin, et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. Selon le chef du département en charge des finances, cet accord bilatéral est la réponse à l'appel qu'ont annoncé les chefs d'État africains par rapport aux difficultés que rencontre leur pays suite à la pandémie de COVID-19. C'est tout pour le point en français. Je vous laisse en compagnie de M. Sherif pour la suite en arabe. Merci, collègue Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وصل مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحمد الله وسلامته إلى واغادوغو العاصمة البركينية صباح هذا اليوم 28 من ديسمبر 2020، وذلك لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري، حيث كان في استقباله عند وصوله رئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري إلى جانب المستشار الثقافي لجمهورية تشاد في بوركينا فاسو أحمد أبسكين يارما ممثلا للسفير. وقد كانت الجالية التشادية في استقبال مارشال تشاد رئيس الجمهورية بفرحة عارمة. تفقد ظهر اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير الشريف محمد زين برفقة معاونيه إلى جانب المديران العمان للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الدكتور محمد برقو حسن ونائبته حليمة السعدية علي على المقر الجديد للهيئة، والذي من المتوقع أن يدشنه مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو غدا 29 من ديسمبر 2020. سلمت وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة عدد 9 طواحين وبعض من معدات غسل الأيدي للمراكز الاجتماعية بالعاصمة أنجمينا، حيث جرت مناسبة التسليم بالمركز الاجتماعي رقم 1. المندوبة الإقليمية لوزارة المرأة أكدت
بأن هذه المعدات المسلمة هي من قبل البرنامج الغذائي العالمي، وذلك نتيجة اتفاقية شراكة قائمة بين الطرفين بهدف مساعدة المنظمات النسائية حول إنتاج المواد الأولية. بهذا نصل وإياكم السيدات والسادة إلى نهاية هذا الموجز قدمناه لكم من الفضائية التشادية رفقة زميلي آدم إسماعيل. شكرا شريف محمد أحمد. Le plaisir de vous retrouver pour un prochain point d'actualité dans le jour à venir. Bonne suite sur Télé 4.